Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Infinite Galaxy. Les amis, aujourd'hui on va de nouveau tester notre chance, tester ma chance. Est-ce que j'aurai toujours la poisse ou est-ce que j'aurai des commandants légendaires? On va faire une vidéo opening. Mais avant cela les amis, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Et n'hésitez pas également à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne. C'est ultra simple, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos. Et en dessous, vous avez le lien pour télécharger Infinite Galaxy avec le code REDEEM et également les informations sur ma nébuleuse, la nébuleuse M1024. Alors pour ceux qui débarquent, une nébuleuse, c'est un royaume en fait. C'est la galaxie dans laquelle on évolue et moi, je suis dans la M1024 qui commence à présent à avoir à peu près 2 mois et demi hein, cette galaxie. Donc on a toujours des joueurs très puissants qui sont d'ailleurs de plus en plus puissants. Avant de faire le petit opening, les amis, comme je vous l'avais dit, on va dans les vaisseaux et regardez, j'ai débloqué le Prométhée et j'ai commencé à le monter et il me paraît vraiment très très sympa. Franchement, à mon avis, il va peser lourd, il sera bien sûr plus fort que le Hercule, mais est-ce qu'il sera plus fort que le Hadès? On va voir pour le moment. Alors si je dis pas de bêtises pour le moment, d'ailleurs écoutez, on va lui mettre un petit niveau, c'est gratuit, voilà, on le passe niveau 12. Pour le moment, je crois qu'il est toujours rang 1. Voilà, il me manque juste 10 plans pour être rang 2. Mon Hercule. Alors, mon Hercule, en revanche, il est bien lourd. Lui, mon Hercule, il est rang 6. Il ne plaisante pas. Bon, là, pour le coup, il me manque 377 plans pour être... 387 plans, plutôt, pour être rang 6. Et le Hadès, tac, le Hadès, lui, il est rang 3. Et il me manque, bah, pratiquement intégralité, 200 plans pour passer au rang 4. C'est compliqué de monter ces vaisseaux, mais ça va le faire avec le temps. Vraiment, le Prométhée, il a l'air vraiment ultra lourd. Je lui ai mis un bon commandant, un commandant Robisoni Nicolas. J'espère qu'on va pouvoir l'upgrader, hein, qui est bien un commandant avec des skills d'attaque. À mon avis, elle va faire mal. À mon avis, ça va vraiment, vraiment piquer. On regarde les événements rapidement en ce début de semaine, au moment où je recorde la vidéo. Hein, en ce début de semaine, il n'a pas d'event qui pop. Alors, je vous invite à chaque fois à ne pas aller acheter des packs en début de semaine car il n'y a pas l'événement qui vous permette de cumuler justement quand vous achetez un pack. En début de semaine, il est reset, il n'y a pas l'événement qui permet d'avoir des rewards supplémentaires lorsqu'on achète du Corium. Donc n'achetez jamais, sauf nécessité absolue, n'achetez jamais de pack lorsque c'est reset. En début de semaine, attendez, je pense que d'ici mercredi, on aura ce pack qui permet de cumuler les récompenses. Allez, on y va. Ah, juste avant, regardez la campagne. Je vous dis que j'avancerai en campagne dans la précédente vidéo. Eh bien, c'est chose faite. J'ai effectivement avancé en campagne. Je suis à 7-1. J'ai évidemment tout avant. Alors, comment on y va? J'ai tout avant en... Alors, hop, là, choix du chapitre. Full à 100%, évidemment. Il me reste donc le chapitre 7 et le chapitre 8. Je devrais être en capacité d'avancer dans le 7, mais pas de le compléter à 100% avec le maximum 3 étoiles de reward. Donc, on va attendre que je monte encore un petit peu en niveau et on va se faire ça. Ça sera toujours plus simple. Allez, c'est parti pour l'équipage. Comme je vous l'ai dit, je me suis gardé un petit stock. Regardez, j'ai 82 393. Alors là, on est bien. Si avec ça, je n'ai pas de commandant légendaire, au moins un. La dernière fois, je vous le rappelle, j'ai ouvert pour 65 000 de collecte de points, 65 000 points, et je n'ai rien eu. Les points de prestige, voilà. Je n'ai rien eu en légendaire. C'était assez oufissime. Là, j'espère que je vais avoir quand même quelque chose. Donc, on y va. On ouvre. Premier tour à 5. Allez, la première, on se le fait intégralement. Kawasaki, on va voir. Tax, Kawasaki, c'est pas son nom. Alice Kim, Klubla, elle sert à rien. Dina Carré, on dirait presque le même skin. Julian Bell. Et le dernier, premier tirage, tout naze. Espérons que tout ne va pas être comme ça. Deuxième tirage, on va voir ce que ça donne. Allez, un petit peu de chance peut-être. On se fait les trois premiers en les regardant. Je l'ai souvent, elle. Hein. Et on va voir après. Tac, on passe, on passe. Bon, les deux premiers tirages. Ah, voilà. Harvey, Garrett, Wilde. Là, c'est déjà... pas mal du tout. Nouvel équipage, je ne le possédais pas. Là, ça me fait plaisir. Pour ceux qui n'ont jamais remarqué, hein, lorsqu'on est en dessous de l'épique, il ne s'affiche même pas, c'est juste des ombres. Et qu'à partir de l'épique, et évidemment le légendaire, où ça s'affiche, et au mieux, on a même une animation. Là, c'est du lourd. Allez,
C'est parti pour la troisième qu'on regarde et les prochaines, on va les accélérer, on va les passer. Non, rien, rien, rien. Bon, j'aurais pas eu de chance sur les trois qu'on aura regardé, excepté ce commandant épique qu'on aura eu. Allez, c'est parti maintenant. On va aller un petit peu plus vite, passer. Qu'est-ce qu'on a? On n'a rien d'intéressant. On va faire un point d'étape au milieu déjà, voir ce que je peux monter après. Deuxième, hop, on passe. Ah, j'ai eu elle, je l'aime bien. D'ailleurs, il ne me la met pas du coup. Comme je ne l'ai pas regardé, il ne me la met pas. J'ai eu celle que je voulais, donc c'est bien. Mon avis ne sera pas suffisant, bien évidemment, pour la monter. Mais c'est déjà pas mal. Donc rien d'intéressant là. Et j'en ouvre pas mal là quand même. Ça va me faire combien? À 2500, je vais en ouvrir 82 500. Ça me fait 20, ça me fait 24, ça me fait 28, ça me fait 29. 29 tirages, si je dis pas de bêtises. C'est pas mal quand même, hein, ça commence à piquer sévère. Donc on continue même plus que ça, ça me fait 30 tirages, 30 ou un peu plus de 30 tirages, 32 tirages, 33 tirages. Dites-moi en commentaire là, avec votre calculatrice, là ça m'évite de la sortir. On continue, toujours rien. Hein. Donc tac, on passe, toujours rien d'intéressant, pas de légendaire du moins. On continue, on passe, toujours pas de légendaire. C'est le même tirage que juste avant d'ailleurs. Vous avez vu, hein, j'enchaîne. Ah, bon, elle aussi, elle est bien. Je l'ai déjà, je continue de la monter. Ah, mais non, ils nous montrent le skin que des nouveaux commandants. Et c'est pas lorsque je. Ça dépend pas du fait qu'il soit épique, qu'il soit normal. C'est que les nouveaux commandants dont ils me montrent le skin. C'est évident, c'est comme ça. Les autres, je suis censé les connaître. Ils me les montrent pas. Ah, voilà. Ah, bah voilà. Voilà un nouveau commandant que je ne connaissais pas. La tenue est très très sympa. Hein. Dites-moi en commentaire si vous validez la tenue, mais moi je valide la tenue de ce nouveau commandant. Elle est très très sympa, très professionnelle comme tenue dans l'espace. Hein. C'est vraiment une tenue appropriée. Je suis sûr que les spationautes aimeraient avoir ce genre de tenue. Allez, on continue. Et là j'enchaîne pas mal, hein, et j'en ai eu qu'un pour mon légendaire. Vous me direz, c'est mieux que la dernière fois déjà où j'en ai eu zéro. Donc j'enchaîne toujours rien. Ouh là là, et je sais pas depuis combien de temps j'ai pas ouvert, mais là j'en ai quand même beaucoup. On continue, toujours rien. À mon avis, je vais bien monter en puissance là. On ira voir les puissances de mon alliance. J'ai été deuxième à 500 000 points de Grunt. Je m'étais rapproché parce que Grunt s'était pas mal battu, donc il a eu pas mal de vaisseaux détruits. Continue, il me reste combien de tirages? Il m'en reste encore 10 de faisables, donc même 11. Allez, on continue, toujours rien. Toujours rien, je vais avoir des milliards de cartes. Ah, là, un petit commandant épique, ça fait plaisir. Il pourrait me faire un tirage avec deux épiques, deux légendaires et un commun, par exemple. On récupère encore celle que je voulais, donc c'est très bien. On continue. Tac, on continue. Allez, donne-moi encore un légendaire. Ah, elle, je ne l'ai jamais montée. Elle, je ne sais même pas à quoi elle sait sa spécialité. Vous êtes une ingénieure. Voilà, Rebecca. Rebecca, c'est très bien, Rebecca. Voilà. Hop, on continue, allez, il m'en reste 3 tirages, si je ne dis pas de bêtises, 2 tirages, 2 tirages, allez, encore un petit tirage et on a fini. Non, j'ai même pas assez, regardez, je peux même le faire, allez, je vais le faire claquer et comme ça je tombe à 0. On se fait ce dernier tirage, est-ce qu'on va avoir un commandant légendaire? Est-ce que parce que je lui ai donné 107 de Corium, il se va dire, ah, il est vraiment sympa, Patatou, du coup on va lui donner un commandant légendaire encore en plus, eh bien non, il se dira pas ça. Bon, maintenant on retourne à la liste des commandants. Gros tirage, on a bien enchaîné. On a fait je ne sais pas combien de tirages. On en a fait au moins 30, 32, 33, si je ne dis pas de bêtises. Si on regarde la liste d'équipage, regardez, alors c'est elle la nouvelle. Super sympa. On valide cette tenue magnifique. Les talons aussi très adaptés à l'espace, hein, tout comme ce magnifique décolleté. Elle est spécialiste en technologie et on n'a pas de quoi la monter, bien évidemment, puisqu'on l'a juste débloqué. Sinon, au niveau des commandants, eh bien, je peux upgrader notre amie Madeleine. Donc, on va l'avancer. Regardez, quand on l'avance, elle est en 2, 14, 2, 6. Sa spécialité, c'est le combat. Et hop, je l'avance. Hop là, Madeleine, plus 3000 de puissance, mais surtout, elle passe en 2, 14, 2, 6. Elle n'a pas bougé. C'est quand on va monter son niveau, je vous dis une bêtise, c'est quand on va monter son niveau ou le niveau d'après où elle va augmenter là-dessus. Bah, d'ailleurs, on va lui monter son niveau tout de suite, comme ça, on va vite être fixé. Hop là, et je lui en mets un petit coup aussi. Hop, hop, de 20, de 9. Et donc, c'est bien en montant son niveau qu'on l'a augmenté. Et ça a une incidence d'augmenter le bon commandant, car par exemple, moi je suis bloqué dans une de mes missions. On va aller voir ça, je vais vous montrer ça tout de suite après. Donc je continue à voir qui je peux upgrader et on ira voir après le nouveau niveau, puisque vous le voyez, hein, quand je les avance comme ça.
Ça me rapporte, alors j'ai plus suffisamment, mais quand je les avance, ça me rapporte en puissance. Lorsqu'ils montent en puissance, ça rapporte en puissance. Ah, c'était elle que j'ai confondu tout à l'heure. Vous voyez, boost de puissance, plus 31 000. Hein. Donc, c'est pas rien non plus. Si vous le faites avec tous les commandants, certains vous permettent de monter plus haut. Ça vous apporte, ça m'apporte un boost en puissance que ceux, donc sur la puissance affichée, hein, que pour ceux qui sont déployés, évidemment, dans mon équipage. Tous ceux-là que je monte, qui ne font pas partie de mes équipages, ça ne me rapporte rien. Donc pour le moment, je ne prends pas grand-chose. Il me met juste l'augmentation a réussi. Mais quand on va arriver sur des commandants déployés, alors est-ce que lui, il est déployé? Non, lui, il me paraît trop bas pour être déployé. Voilà. On va arriver, quand on va être plus bas, on va avoir mes certains commandants, puisque je m'attelle à mettre les commandants, bien évidemment. Vous voyez, lui, plus 33 000, ça fait bien plaisir de prendre un plus 33 000. Je vais mettre mes commandants qui me rapportent le plus de points, évidemment, hein. Les autres qui me rapportent moins de points, ils me sont moins utiles. Donc je mets que les plus puissants. Vous voyez, là, j'en ai vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup à monter. Les premiers, ils ne sont pas. Les premiers niveaux ne sont pas les plus utiles. Regarde, vous voyez, tous, ils sont augmentés ou augmentables. Je crois que lui, c'est un des plus hauts que j'ai. Il me demande 40. Non, j'en ai en qui demande déjà 70. Mais vous voyez, plus 14 000, ça fait toujours plaisir à prendre ce genre de points. Donc je finirai ça. On verra ma nouvelle puissance après. Vous voyez, lui, 140. Vous voyez, lui, c'est vraiment, j'en ai eu beaucoup. Je pense qu'il va falloir que je réfléchisse maintenant, lui, à le mettre dans mon équipe, parce qu'avec 66 000 de puissance, alors j'ai été un peu vite, si vous avez jamais fait attention, regardez, c'est en haut à droite, je vous montre avec le curseur, c'est ici, on a sa puissance. Si vous mettez que vos commandants les plus puissants, eh bien, votre niveau de commandant, votre puissance de commandant affichée, évidemment, sera plus importante, et c'est un moyen aussi de monter en puissance. Je vous ai montré déjà le moyen avec les items qu'on peut créer pour mettre sur les vaisseaux. Eh bien, mettre les commandants les plus puissants, 160 sculptures, vous imaginez, elle, plus 14 000, ensuite, plus combien, là, ça me l'a passé, ah, j'ai même pas vu plus combien, mais 100 000, elle, 100 000. Je pense que là, quand je vais sortir, je sais pas si je vais être passé à, j'étais à combien, j'étais à 12 millions et quelques, si je vais être passé à 13 000, 170, regardez, combien il me donne avec la première. Donc là, je viens de l'augmenter, plus 18 000. Je lui remets un petit coup, hop, combien? Plus 14 000. Je lui remets un petit coup, 60 cultures, là, ça commence à appliquer. Plus 14 000 encore, ça commence 115 000, lui. 115 000. Là, ça brûle vraiment. Vous voyez, là, juste en l'augmentant, lui, j'ai déjà pris 70 millions, 70 000 de puissance. Pareil, plus 14 000, plus 14 000, on n'est pas lié à 14 000, plus 14 000, on est bien. Je pense que c'est le maximum qu'on peut avoir avec les commandants ordinaires d'avoir plus 14 000. Alors elle, du coup, elle ne doit pas être déployée parce que 20 sculptures, vous avez vu, hein, mes commandants déployés sont déjà de haut niveau, donc on me demande beaucoup plus. On continue, là, on va avoir la surprise de voir à combien je vais être en puissance en sortant de tout ça. Hop là, lui, que 20 sculptures, à mon avis, il n'est pas déployé, sinon c'est vraiment dans les derniers que j'ai mis, et il est vraiment tout petit. Est-ce que j'ai fini? Est-ce que j'ai fait? Non, j'ai pas encore fait tout le monde. 20 sculptures, pareil, hein, elle a beau être cute avec sa petite tenue, là, son petit cosplay, elle n'est pas déployée. Pareil, elle, on n'est qu'à 10 sculptures. Vous êtes sûr, je ne l'ai pas déployé non plus. On va finir avec les... Ah non, il en reste pas mal. Lui, pour le coup, il me semble qu'il est déployé ou je l'ai en doublon. Non, il n'est pas déployé. Il ne manque que 10 et 20 têtes. Donc j'ai quelqu'un, un autre équipier qui lui ressemble. Il faut dire avec la casquette, là, voilà, c'est l'autre qui lui ressemble. Ils ont tous le même skin. Elle, niveau 1. Je le vois avant de rentrer en plus. Il me suffisait de regarder. Donc niveau 1, non, elle n'est pas déployée. D'ailleurs, je vais peut-être faire que les déployer. Ça va être plus simple. Niveau 1, niveau 1, niveau 1. Niveau 1, niveau 1, elle n'est pas déployée. Niveau 4, lui, il est déployé, c'est quasi sûr. Tac, action réussie, voilà, il est déployé, je vous l'avais dit. Voilà. On va regarder, j'aurais dû faire ça depuis le début. J'aurais augmenté que ceux qui sont déployés comme ça. Niveau 1, niveau 1. Les autres ne sont pas déployés. On sort d'ici. Ah, j'ai oublié lui qui est déployé, autant pour moi. On sort d'ici. Ah, mais le niveau. Non, pourtant, c'est parce que je ne les ai pas upgradés, d'accord. Donc, je dis une bêtise en plus. Hein. Vous voyez, je vais vous dire, ce n'est pas le niveau qui indique que je les ai upgradés ou pas, c'est que je ne leur ai pas mis de carte d'expérience pour les monter. Je leur ai pas mis de points encore. Donc, je disais n'importe quoi. Du coup, il faut que je continue de les monter eux. J'aurais simplement dû passer par cette fenêtre-là pour voir ceux qu'il fallait que je monte. Et je monte la dernière. Hein. Je devrais pouvoir la monter deux fois dans mon 2. Pour moins qu'elle soit capée, voilà, il me manque 10 pour la première fois.
Voilà, je les ai tous montés, sauf erreur. Alors, j'ai peut-être pas les commandants les plus optimisés en puissance. Faudra que j'aille voir ça. Mais là, en tout cas, je commence à être bien. Je sors, je suis à combien? 12 millions 900 000. J'ai pris 500 000, si je dis pas de bêtises, ou quelque chose dans ce goût-là. À présent, est-ce que je truste la première place en puissance? Non, notre ami Grunt est toujours devant avec 144 000 points d'avance. Il n'y a plus grand-chose. Est-ce qu'il y a moyen qu'on lui passe devant, les amis? On va voir ça tout de suite. Est-ce que, en restant sur les équipages, est-ce que je peux passer devant notre ami Grunt? Est-ce que je peux passer devant notre ami Grunt? Qui je pourrais monter pour passer devant un niveau? Si j'avance la petite Madeleine, il me faut 144 000. Ça me paraît compliqué, 144 000, ça me paraît vraiment, vraiment beaucoup. Là, par Madeleine, un niveau, elle va me rapporter combien, Madeleine, en un niveau? Elle me rapporte que 3 900 sur un niveau, Madeleine, donc ça va être trop court. Est-ce que si je prends quelqu'un qui est très haut niveau, les mecs que j'ai là à 115 000, est-ce que si je prends un mec à 115 000, il va me permettre de monter plus haut? Qui j'ai qui est super haut? Lui, je crois qu'il est super haut, 116 000. Si je lui mets un petit niveau à lui, est-ce qu'il met plus que toi? Mais non, pourquoi t'as fait ça? Tu fais n'importe quoi. Il est où? 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 Il est là. Est-ce que, voilà, donc à signer. Et donc si je veux t'améliorer, est-ce que si je te mets un petit niveau, est-ce que tu montes de combien tu montes? Tu montes que de 1 000. C'est dommage, mais je peux peut-être te faire monter de plus. 1 000, 1 000, ouais, j'arriverai jamais à avoir quelque chose de cohérent avec ça. Et je vais pas gâcher là-dessus. Pourquoi il faut bien choisir les commandants que vous montez? Regardez là, donc j'ai ma petite Madeleine qui est maintenant niveau 22 en combat. J'étais jusqu'à présent, ça se trouve je ne le suis plus, bloqué pour, dans Incident, une des missions. La mission de la chasse, non pas chasse de prime, de canon cinétique. Canon cinétique, il faut que je déploie un équipage avec 50 en combat. Et je n'arrivais pas à faire 50 jusqu'à présent. Donc c'est pour ça que je viens d'augmenter de plus là notre amie Madeleine qui est spécialiste du combat. Et maintenant, je vais réussir à le faire. Alors entre Madeleine et la nouvelle dont je ne sais pas le nom, voilà, j'arrive à 57 et ça va le faire. Jusqu'à présent, je ne pouvais pas le faire. Donc j'arriverai pas à passer tout de suite devant notre ami Grunt tout de suite ou même peut-être jamais. Est-ce que j'ai de quoi accélérer pour aller lui mettre une petite carotte? Après quand il va le voir, évidemment, il va rebooster, hein, mais c'est juste pour le fun. Et lui mettre un petit coup de somme, 8 000, ça suffira pas. Alors attendez, on remet un petit coup là, on remet un petit coup là, on remet un petit coup là. Vous voyez la petite surprise quand il se connecte. Il se voit pas premier, c'est toujours très drôle. Hein. Alors attendez, on relance des flottes. Je vais collecter plus. Je suis un peu short, hein, puisque comme je vous ai dit, j'attends qu'on avance dans la semaine pour acheter des bundles. Évidemment, je fais ce que je vous conseille. Voilà. Est-ce que là, on est un petit peu mieux? Je suis à combien? 948 000, ça se rapproche. On commence à être vraiment, vraiment bien là. Mais je pense que je n'arriverai pas à lui passer devant, même temporairement. Je suis à 100 000 là, il va me manquer 100 000. Peut-être, peut-être les amis, pour la prochaine vidéo, on va voir si j'arrive à faire ce qui manque pour... Est-ce que je peux pas accélérer un petit truc là? Est-ce que combien je gagne si j'accélère ici? Non, j'accélérerai pas suffisamment, ça me demande beaucoup trop. Là, 5 heures, ça va m'amener combien en puissance? Ça va pas m'amener grand-chose, ça a jamais de la vie m'amener les 100 000 qui me manquent. Regardons, je peux emmener ça, si j'accélère ça, ça m'amène combien? Ça me mêle 26 000, hein, c'était pas mal quand même. Hein. 26 000, ça se rapproche, mais ça sera pas suffisant malheureusement si je vais chercher ça. Je peux accélérer encore de combien? Non, je peux plus accélérer suffisamment. C'est dommage, ça aurait été drôle de lui faire cette petite surprise. Mais tant pis, ça sera pour la prochaine vidéo ou pas, s'il met large, on verra bien. Voilà, écoutez les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, les amis, comme d'habitude, les amis, n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu. Vous le savez, les amis, ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout, ça me fait vraiment très très plaisir, les amis. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Je vous souhaite un bon jeu à tous, prenez soin de vous. Faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur Infinite Galaxy.